D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte argent, ornée de rouge et de vert, et pesant 151,2 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wears silver trunks, with the red and green trim, his official weight, 151.2 pounds. En 67 combats, il a inscrit 53 victoires, 31 par KO. His professional record consists of 53 victories, 31 coming by way of knockout in 67 bouts. Champion d'Europe 2008 à 2010. Please welcome former European champion from Békéscsaba, Hungary, Giuseppe the End Lory. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte bleue et argent et pèse 151,8 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner. He wears blue with silver trim. His official weight, 151.8 pounds. Aspirant numéro 11, WBA, numéro 3, IBF, l'actuel champion IBF, intercontinental et NABA des moyens. He is the current undefeated IBF Intercontinental and NABA welterweight champion with a perfect record of 20 victories, 14 by KO in 20 bouts. Fiche parfaite, 20 victoires en 20 combats, 14 KO. Accueillons de Saint-Émile, Québec, Kevin Bizier. On écoute tout de suite les commentaires de l'arbitre pour ce combat. En tout temps, on touche les glaces. L'officiel en fonction, c'est M. Alain Villeneuve. Voici les mensurations, Mike. Oui, 29 ans pour Bizier, 37 pour Lory, qui a présenté un poids de 151,2 livres. Un petit peu plus lourd pour Bizier, 151,8. 5 pieds 9 pour le Québécois, 5 pieds 7 pour Lory, qui est pro depuis 1997. Et du côté de Bizier, il est chez les professionnels depuis 2008. On est prêt pour ce combat. Officié par M. Villeneuve, les trois juges de Carufel, Leblanc et Procopio. Et tout à l'heure, on parlait de son dernier combat. J'étais présent le 6 septembre dernier. À Bizier ou à... À Lory. À Lory. Alors qu'il a affronté Mian Hussein. Et c'est un boxeur qui a voulu faire la distance avec Hussein, qui a gardé les mains bien hautes, bonne défensive. Et j'ai hâte de voir comment Kevin va négocier avec ce boxeur qui, lui, évidemment, n'est pas vraiment... Il veut gagner, bien sûr, mais... C'est un boxeur qui va voir rapidement à qui il a affaire et probablement qu'il va vouloir faire la distance. Et je suis convaincu que Kevin va tenter de lui trouver des ouvertures dans sa défensive. Alors que lui, les mains bien, bien hautes, va sûrement mélanger au corps et à la tête, tenter de déjouer Lory et de lui faire mal. Lui qui a été arrêté 6 fois au cours de sa carrière. Un bel enchaînement ici de Kevin Bizier. Un des boxeurs de chez nous les plus redoutables quand vient le temps de placer de bons coups au corps. Et Lory, avec son visage, a l'air de trouver que c'est assez rapide. Ouais, bonne gauche au corps. Uppercut qui touche. Bien fait par Bizier. Bizier qui nous a démontré dans ce premier round déjà tout son éventail de coups de poing. Les crochets, les jabs, les mains droites, les uppercuts. Ouais, coup au corps, coup à la tête. Bien enchaîné de la part du Québécois. Ah, bon uppercut encore. Et Lory accroche. Je pense que... Je viens de réaliser qu'il est dans le ring, Lory. Ouais, encore une fois, bonne droite avant l'accrochage. Alain Villeneuve sépare tout le monde. On reprend. C'est un combat prévu pour 6. On est chez les mi-moyens. Je sais pas si Lory semble blessé au bras gauche, mais... Ça sort pas, hein? Comme à 2 fois, là, quand même, il semble un peu incommodé là, par son bras. On va savoir ce qui va se passer avec ça. Mais tu sais, tu vois, du côté de Bizier, il est patient, attend les ouvertures, trouve les petites failles. Et tu l'as vu, il est allé au corps. Tu vois, ce que ça fait, c'est que ça fait baisser les mains, ça fait réfléchir Lory, ça ouvre encore plus d'ouverture.
En fait, ça fait mal. Ça fait mal. Les mains hautes de Laurie font en sorte que les coups solides ne portent pas, mais ça a eu son homme. Moins de 10 à faire. Pas de doute que Bizier a été celui qui a été le plus agressif et qui va sans doute mériter les faveurs du juge Gabby Mancini. Tout à l'avantage du Québécois. Excellent premier round pour Kevin Bizier. Ça fait à peu près tout ce qu'il voulait dans ce premier round. Il n'a pas laissé le temps à Laurie de trouver quelque ouverture que ce soit. On va revoir l'uppercut qui... Ah, ben ça a effleuré. Laurie n'a pas apprécié. Il lui a fait savoir. Et Laurie qui, lui, décide de rester debout. Pendant les rounds. J'aurais peut-être conseillé de s'asseoir un peu, prendre un peu d'énergie, mais... Oui, oui. Kevin Bizier, classé numéro 3 à la ceinture IBF. Et dans le cas de Laurie, lui, pas question de s'asseoir. Conserve ses énergies en restant bien debout dans son coin. Et c'est reparti. Deuxième de 6. Et dès le départ, Bizier ben, se porte en attaque. Belle série de coups. Oh, la droite! Et Gabby Mancini a donné un 19 à la faveur de Bizier, culotte argentée et bleue. Trouve passif, Laurie, Mike. Même si, oui, absolument, mais tu vois que Laurie est là pour... C'est boxe très défensivement présentement. Elle lance quelques coups de temps à autre, mais j'ai comme l'impression qu'à un moment ou un autre, Bizier va le pincer solide, va être en mesure de l'arrêter. Parce que tu vois, il lui a fait mal quand même à quelques reprises depuis le début du combat. Il y a seulement un round de fin. Et je pense que Bizier, tranquillement mais sûrement, commence à s'approcher un peu plus. Et ses coups vont avoir encore plus de puissance. Donc j'ai comme l'impression que Laurie pourrait goûter à la médecine véritable de Bizier au cours des... Peut-être ce round-ci, mais peut-être l'autre, prochain round. Laurie qui devrait avoir de toutes les couleurs parce que Bizier est vraiment continue de mettre de la pression, lancer des combinaisons, ça va au corps, à la tête, donc... Bizier qui continue à foncer et à tenter de créer des ouvertures. De Laurie demeure bien haute, semble être imperturbable. Les deux dernières fois que Laurie s'est incliné par KO, c'était sur des crochets à la tête. On sait que Bizier, lui, est réputé pour terminer ses adversaires au corps, donc... Laurie qui décide de bouger un peu. Bon uppercut. Un coup au corps, un uppercut. C'est une des rares séquences offensives de Laurie jusqu'à maintenant. Pas ça qui va faire la différence sur la carte des juges, j'ai l'impression. Oh! Bizier a trouvé une petite ouverture, là. 30 secondes encore à ce deuxième. Tente d'une dernière attaque, peut-être. Là, Laurie bouge pas. Tentative d'attaque qui avorte au déplacement du Québécois, qui va retourner dans son coin. En fait, Laurie est déjà installé dans son coin, comme s'il avait déjà anticipé la fin du deuxième round. Et Laurie qui demeure debout encore une fois. Dans cette pause d'une minute. Raise ta bouche. Quelques faits saillants de ce deuxième round. Pas doute que le Québécois a été le
le plus offensif, le plus agressif. Mais quand même, Laurie, grosse défensive, toujours les mains bien hautes, étanches. Tu vois, bloqué avec son coude, là, il a touché avec son uppercut, mais Laurie, quand même efficace en défensive, évite la plupart des coups de poing. Et encore une fois, bien round facile pour Bizzy. J'allais dire presque un round sans opposition, tellement que Laurie a donné peu de coups. Il faut commencer à bombarder un peu plus, quand un peu plus. Alors voilà pour le volet spectacle. Et Bizier déjà en action, lui. 2-19, voici la carte de Gabby Mancini. Oh, le v'là, le gros coup au corps de la droite. Laurie bronche pas trop. Bronche pas trop, mais quand ça va faire encore 5 ou 6 gros coups comme ça au corps, je pense que ça va commencer à payer. Et ça va être de plus en plus difficile pour Laurie d'absorber ce genre de coup de poing en puissance au corps. Ça va être quoi la prochaine étape, selon toi, Mike, pour un gars comme Kevin Bizier, dans son évolution, dans sa progression de boxeur? Ça, présentement, ce qu'on veut pour Kevin Bizier, c'est l'amener à un combat de championnat du monde. On parle beaucoup de Devin Alexander. On sait que bon, il avait eu une offre pour affronter Alexander, mais il avait refusé du côté du groupe Jim. Il va avoir plus de préparation. Donc, je pense que Bizier, avec ce combat-ci, devrait se battre, lui, en novembre prochain. On sait que le gala va être représenté dans la ville de Québec. On sait qu'il est natif de là-bas. Et ensuite, on espère qu'il puisse affronter Devin Alexander dans un combat de championnat du monde. Question de timing, probablement, pour le Québécois. Encore 1 minute 30 à faire à ce troisième engagement. On aura franchi la mi-chemin de ce combat par la suite. Je vous rappelle un peu plus tôt durant la soirée, victoire d'Arthur Beterbiev, KO retentissant. Et Antonin Descarrie, tout juste avant ce combat, l'a emporté par décision des juges contre le Français Larbi. Combat pour 6 également. À peu près encaissé tout ce que Bizier lui a donné. Et tu vois, il frappe avec puissance. On a fait un petit pas de danse là, du côté de Larbi. C'est au corps, c'est au corps. Oh, belle, beau crochet. J'ai dit Larbi, c'est Larbi. C'est le boxeur précédent, on se mélange un petit peu. Ben, ça se ressemble, hein? Larbi, Larbi, là. Oh, un coup de tête, là. Ouais. Encore environ 10 secondes. C'est le temps d'une dernière attaque. Au corps. Voilà, fin du troisième. Si tu vas arrêter ce moment-là, on va prendre la commande du début. Pas ça mettait un match. Ça, c'est la gauche de Bizier qui a touché la cible. Ouais, ça a été le crochet par la suite. Beau crochet. La main gauche qui a passé derrière la main droite de Laurie. Mais par la suite, l'Italien, toujours avec une bonne défensive, a su éviter les coups de poing supplémentaires. Donc, évite le pire un peu parce qu'il mange des bons coups de poing, mais finalement, avec sa défensive, toujours les mains hautes, capable d'éviter le pire. Notre collègue Patrick Côté avec Steve Bégin et Nancy Audet de la chaîne TVA Sport qui assiste à la carte ce soir. Non, il va sur lui, mais il va être blessé, puis il sait que la Je ne sais pas si ça va être la fin de Steve Bégin, l'aventure Ligue nationale de hockey. Il a été retranché lors du dernier camp d'entraînement des Flames. Et M. Mancini va d'un autre 10 à la carte de Kevin Bizier. Je pense que c'est pleinement mérité. On aimerait en voir plus de Laurie, qui n'est pas celui qui a le plus d'attaques dans ce combat jusqu'à maintenant. Quatrième round. Et Laurie qui a encore une fois demeuré debout dans son coin après le troisième round. Donc,
ne s'est pas encore assis depuis le début de l'affrontement. Je pense que Bizi aimerait bien, lui, l'asseoir, mais à sa façon. Oui, exact. Ça commence par une bonne série de coups précis, comme il nous a montré au troisième, notamment la petite gauche précise à la tête. Un bon coup au corps de la droite. Ça semble encaisser quand même très bien au corps. Ben, Laurie, on dirait que c'est... Step back, no punch! No punch. Il s'est battu il y a un peu plus de deux semaines, là. À Gatineau et semble prêt à encaisser à peu près n'importe quoi de la part de Bizi. C'est le cinquième combat de Giuseppe Lauri cette année. Oui, très actif. Ah, à ce rythme-là, c'est sûr qu'il peut faire du millage à n'importe quel adversaire devant lui. Didier qui demeure concentré. D'abord dans son plan de match et c'est de l'expérience qui rentre avec l'Expo. Ça fait penser un peu à quand il avait affronté. Belle séquence encore du Québécois. Quand il avait affronté Carrasquillo, il l'avait envoyé au plancher, lui. Oui. Mais il s'était relevé, mais par la suite, il ne voulait absolument rien savoir. Puis ça, on apprend beaucoup là-dedans. Tu sais que normalement, quand tu lances tes meilleurs coups de poing, puis le gars, il tombe pas. Donc, il faut que tu restes quand même focus. Il faut que tu continues à faire tes choses, à gagner des rounds et se dire que finalement, je vais le pincer avec ce que j'ai de plus puissant. Mais il ne faut pas tomber dans le piège non plus d'être frustré puis de vouloir lui passer le chaos à tout prix. Tout à fait. Un peu moins d'une minute à se livrer ici, bel enchaînement. Lauri n'a eu d'autre choix que de reculer, non? Oh, belle esquive. Oh! Il y avait une ouverture, là. Ouais, double crochet, le deuxième qui a touché solidement la mâchoire de Lauri. Il manquait juste un petit peu de précision pour que ce soit fatal. On a vu quand même un uppercut de la part de l'Italien. Ouais, et la garde a baissé un peu dans ce quatrième round. Le bon coup porté par Bizier, fin du quatrième dans quelques instants. Voilà! Oh! Ah, ça a été le crochet sur le bout du menton de Lauri. Ça a commencé au corps, ici, l'autre séquence. Lauri qui a tenté de répliquer, mais Bizier, vraiment actif, s'est fait frapper un petit peu à la fin. Avec une gauche de Lauri, a répliqué avec avec son crochet de la main gauche. Et c'était de bonne guerre. Mais avec le jab, crazy, avec Ah, Daniel 40-36, je pense que c'est la carte à peu près tout le monde. Ah, absolument. Le Mancini. Donc, domination totale de Bizier jusqu'à présent. Oh! Oh, ça semble lui avoir fait mal. Alors, c'est un crochet de gauche de la part de Bizier. Non, il fait un beau sourire, là, correct. Bon, on a vu ça dans le passé, des boxeurs sourire et après ça, se retrouver allongé au sol. Oh! Deux uppercuts qui ont touché. Ah, ben, il semble y avoir un peu d'ouverture de la part de Lauri et de Bizier. Quelques bons coups échangés d'un côté comme de l'autre. Comme l'impression que si Lauri veut faire la décision, il faut absolument qu'il s'accroche, qu'il échange, mais pas du tout avec Bizier. Mais s'il commence à vouloir échanger, ça peut être fatal pour lui. No
demeure bien élevé de la part de Laurie. Et il accroche à part ça. Alain Villeneuve doit s'interposer et on reprend. Finalement, Laurie qui a lancé un crochet suivi d'une main droite. Pas très actif depuis le début, Laurie. En termes de stats, là, les coups de puissance, c'est nettement à la faveur de Bizier. En fait, je me demande si Laurie a lancé 10 coups de puissance. Alain Villeneuve, encore une fois, doit séparer les boxeurs. J'ai l'impression que Laurie va amener ça à la limite, Mike. C'est quand même 67 combats pour Laurie en carrière. 14 défaites, 6 fois. Il s'est fait arrêter. On dit que c'est un dur à cuire. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Plusieurs rounds de boxe, âgé de 37 ans. Et il sait un peu dans quoi qu'il est embarqué ce soir. Il a vu immédiatement qu'il n'était pas de calibre avec Bizier. Et il ne veut pas se faire faire mal. Oui, il concède des rounds, mais on dirait qu'il est un peu comme... On a vu il y a quelques semaines avec Hussein, quand il a vu qu'il était dominé, eh bien, il s'en va directement en défensive et lui veut éviter le chaos à tout prix. Ouais. On approche les derniers instants de ce cinquième engagement. Combat chez les mi-moyens prévu pour 6. Bizier continue de faire son petit bonhomme de chemin. Et Laurie, sans trop vouloir échanger, ben, va retourner dans son coin. En attendant, le sixième et dernier round. OK, on a fait au début. En mettant le diable, en touchant avec... La saison du Canadien commence bientôt. Il y a un nouveau venu qui va faire ses débuts avec le tricolore. Nul autre que Daniel Brière, signé comme joueur autonome par Marc Bergevin. Et on va revoir ce qui s'est passé principalement dans ce cinquième engagement. La petite gauche précise, pas trop puissante, mais efficace. Mais t'as vu, c'était un gros crochet de la main gauche et par la suite, Laurie immédiatement s'est accroché pour éviter d'autres coups de poing qui auraient suivi par la suite. Donc, elle évite les dégâts, on peut dire, depuis le début. Ah, c'est exactement ça. Alors, toujours debout, Laurie, entre les rounds. Et les deux boxeurs sont prêts pour... Le sixième round. Nettement l'avantage du Québécois. Moi, je pense qu'on a la même fiche ici, moi et toi, 50-45 en faveur de Bizier. Sixième et dernier round. Je veux te dire, Daniel, c'est un peu frustrant pour Bizier, puis je le comprends. Il faut qu'il garde son sang-froid, mais quand même, tu vois un gars qui se déplace comme ça, qui a toujours les mains hautes, qui évite tes combinaisons, mais qui se déplace, qui veut s'accrocher comme il le fait présentement. Enfin, c'est un gars qui est devant lui, là, qui veut pas gagner, qui veut pas perdre. Exact. Ça, c'est un temps d'arrêt demandé par Alain Villeneuve. On reprend le chrono. Au moment du décrochage, c'est au tour de Bizier d'y aller d'une petite gauche. Là. Regardez-moi cette garde bien haute de Laurie. Pas grand espace pour Bizier. Pour lancer des coups, la plupart du temps, ça arrive sur les gants, sur les mains, sur les bras. Le massive round, c'est pas beaucoup. Je pense que dans un combat un peu plus long. Oh! Laurie qui semblait regarder dans la foule.
Oui, mais je veux dire, à force de, d'éviter le combat comme ça, il peut bien faire les simagrées qu'il veut. Là. Ah, un temps d'arrêt avec une minute à faire. Ah, on va enlever un point, là. Oui, pour accrocher. Oui, oui, oui. Et tout à l'heure, l'officiel qui avait averti Laurie, il lui a dit la prochaine fois, je t'enlève un point, c'est ce qu'il vient de faire. Alors, Laurie a un intérêt à bouger dans le coin du coin, voilà qui est fait. J'ai l'impression que M. Gauthier a travaillé très fort ce soir pour ce combat. Va mériter sa paye. Tantôt, je te comparais un peu à Caresse Kyo, tu te souviens, il avait fait une clown ici à Montréal. C'était encore pire que ça. Mais c'est frustrant pour Kevin parce qu'il le domine complètement. Mais encore là, on apprend avec ce genre de combat-là, ce genre de combattant-là. Il ne faut pas tomber dans le piège. Évidemment, Laurie n'est pas un boxeur de très haut niveau. Non, et c'est pas une menace non plus pour Bizier. C'est ça qui est décevant. Bon, ben, on approche les derniers instants de ce combat. Laurie Bizier se félicite. Bizier semble vouloir regagner son coin rapidement parce que c'est peut-être pas la bataille qu'il aurait aimé avoir. Il va encaisser son chèque de paye, mais je veux dire... pas été vraiment un facteur dans ce combat. Remet tous des cartes de pointage de 60-53. Ladies and gentlemen, at the end of six rounds of action, judges de Carifel, Leblanc and Procopio all score this bout 60-53 for the winner. By unanimous decision, le gagnant par décision unanime, Kevin Bizier. Kevin Bizier, Mike, remporte donc une 21e victoire en autant de combats chez les professionnels.